bientôt sur les écrans une grande fresque historique retraçant la véritable aventure du chevalier Bayard et des personnages immortels de la France du XVe siècle. Un film magistralement interprété par les acteurs les plus prestigieux dans l'ambiance héroïque des guerres d'Italie et de la légendaire courtoisie des chevaliers français. Au pillage ! Dites donc, ça n'a pas traîné, hein ? Ouh ! Ça va ? Ça va comme un lundi. Sans peur et sans reproche. Je sais que je vous aime. Il ne s'agit pas de cela. Mais il ne s'agit de rien d'autre. On gagne un tournoi, on veut épouser une reine ? Une Blanche ! Je voudrais pas être à la place de la dame. Blanche, ma Blanche ! Mais non, ramenez-moi, c'est Rose ! On viole et on s'attache. Je suis le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, et je t'emmerde ! Il est encore plus beau quand il est en colère. Rémi Martin est le jeune Bayard. Gérard Jugnot, le bouillonnant capitaine Bellavre. Anne-Gisèle Glas, l'inaccessible duchesse blanche de Savoie. Gérard Darmon campe un follement gay Jacques de Maille. Roland Giraud est l'ignoble Sotomayor, dit le charognard. Victoria Abril, la troublante dame de Frossasco. Patrick Timsit, le bon roi Charles VIII. Vous m'envoyez ravi. Et Martin Lamotte, son souffre-te dauphin Louis d'Orléans. Gérard Klein est De Fougas, le valeureux. Et Alain Doutet, son complice, le loyal Durfay. Tiki Olgado est Mignard l'inventeur. Romain Bouteille, le vénéneux François de Paule. Jean-Louis Foulquier, le fidèle connétable. Michel Blanc, Verdelion, l'avenir de la médecine. Et Bruno Carrette, Grégoire, le désespoir de la religion. Nous, Charles VIII, roi de France, vous faisons chevalier. Sans peur et sans reproche. Une comédie historique qui parle vrai. Mignard. Oui, messieurs. J'ai une petite envie.